Tout change, tout change, tout, 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 tout change. Et oui, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler de ça, la loi de l'impermanence du changement que je vous partage régulièrement. Premièrement, je veux vous remercier de tout l'amour, de toute la solidarité que vous avez eue par rapport à mon dernier vidéo où est-ce que je vous partage des challenges que je peux expérimenter sur la tournée de conférences. Ce qu'on doit comprendre, c'est que d'abord et avant tout, c'est moi qui n'ai pas mis en mouvement la publicité pour la tournée de conférences. Donc, à un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence, se secouer et dire « OK, good, génial, il faut que je stimule si je veux avoir du monde dans mes salles. » Donc, il y avait plein de choses, notamment les livres qui étaient là, l'écriture du livre, la sortie du livre, le lancement de Reset. Bref, il y a plusieurs choses qui étaient là en début d'année. Parce que j'ai décidé cette année que la première partie de l'année était assez intense pour moi et la deuxième partie de l'année était plutôt tranquillose pour moi pour pouvoir voyager et tout ça. Donc, ça fait des intensifs à programmer dans mon agenda. Quand je vous dis tout change, c'est parce que, vous savez, la semaine passée, le lancement du livre, j'ai été pendant 2 jours de temps faire près de 600 dédicaces. Et là, on a dépassé, bien sûr, avec le temps, 600 dédicaces pour toutes ceux et celles qui achetaient sur ma boutique parce que j'avais dit l'espace de 2 jours. Que je ferais des dédicaces à ceux et celles qui se procuraient le livre sur ma boutique en ligne. Et par la suite, il se ramassait dans toutes les librairies au Québec et aussi sur Amazon, bien sûr. Et bien sûr, ça s'est ramassé sur Amazon, bien sûr, ça s'est ramassé dans toutes les librairies. Et comme vous êtes la plus belle communauté qui soit super engagée, avec un cœur énorme, ben, vous avez dévalisé Amazon, ce qui fait que dans la première journée, on a été dans le meilleur vendeur Amazon et tout de suite après, on a dégringolé à, je pense, la 2e position. Mais c'est pas grave, le nombre de positions, juste pour voir l'impact qu'on peut avoir. Et là, c'est en rupture de stock. Et là, Amazon, on a su la semaine passée qu'ils en ont commandé une bonne quantité, mais c'est pas encore arrivé. J'aurais pensé que ça se passerait en l'espace de 2 jours. Et j'ai plusieurs personnes qui reçoivent le courriel en disant qu'ils vont le recevoir en mars prochain. Je commence à trouver ça long un peu. C'est pas favorable, but it's OK. Ça fait partie du jeu. Donc, si vous en venez ici, je vais vous annoncer quelque chose, gang, OK? Si vous en venez ici, je sais pas si vous allez voir, ici, c'est aussi ça la vie. On est dans les meilleures ventes si on s'en vient ici sur Kindle, comme ça. Oh, c'est pas celui-là. Celui-là ici. Numéro 1 des ventes sur Amazon dans le développement personnel. Donc, c'est vraiment génial. Et présentement, il est à, je sais pas si vous voyez mon écran, ouais, il est à 13,99 $ en format Kindle. Donc, en format Kindle, c'est un format électronique qui est aussi disponible dans les librairies. Je ne me trompe pas, en format électronique, mais aussi disponible en Europe. Donc, ma belle gang d'Europe, si vous ne voulez pas patienter en avril prochain, vous pouvez sur Amazon, c'est possible de venir le chercher. Vous pouvez sur Amazon, si aussi ça la vie, vous le procurer. Il va arriver seulement en avril prochain. Cependant, si on s'en vient voir, c'est aussi ça la vie comme ça, si je le trouve. Où es-tu, mon beau? Un instant, s'il vous plaît. Ce moment d'attente est bien involontaire de ma part. Celui-là ici, hop! C'est aussi ça la vie, en rupture de stock temporairement. Et moi, j'ai de la misère avec le temporaire parce que ça n'a pas de sens qu'en lancement, le livre ne soit pas disponible. Et en même temps, de l'autre côté, c'est cool, ça veut dire que la demande, elle était là. Cependant, ce week-end, je suis allé dans les librairies ici au Québec aussi. Puis dans 2 librairies, en fait, il n'y avait plus de c'est aussi ça la vie et qui en avait recommandé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit Amazon ou que ce soit les libraires, pour eux, c'est pas eux qui ont écrit le livre. Eux, c'est aussi, à quelque part, c'est leur entreprise, c'est une forme de business. Donc, quand quelqu'un lance un livre, ils savent pas si ça va marcher ou pas, même si le gars il a un bon réseau, ils savent pas. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent, ils viennent mettre des livres dans certaines librairies, une certaine quantité, et ils vont selon au mieux qu'ils peuvent avec leurs outils qu'ils ont, leur niveau de conscience et d'intelligence du moment sur comment va répondre le marché. Et nous, on a quand même eu 3 000 copies qui ont été placées très rapidement et on commence déjà à en manquer. C'est extrêmement bon signe. Heureusement, on en avait fait imprimer 10 000 copies. C'est très, très bon signe. Donc, les librairies, s'il n'y a plus dans votre librairie, tout simplement, il faut le redemander et il va réapparaître. Sur Amazon, je ne sais juste pas combien de temps que ça va prendre avant d'arriver. C'est pour ça que j'ai décidé que le temps que les livres reviennent sur Amazon, je vais continuer à faire des dédicaces sur tout le monde qui va, pendant que, d'ici à ce qu'Amazon ait des livres,
à faire des dédicaces pour tout le monde qui va commander sur notre boutique en ligne. La différence avec Amazon, pourquoi je vous redirigeais vers Amazon, c'est parce que beaucoup ont la formule Prime, ça veut dire que vous n'avez pas de frais de poste ou à peine des frais de poste, versus par chez nous, si vous achetez sur ma boutique en ligne, mais on a un frais de poste de 15$ à la base. Mais par contre, vous pouvez avoir, si vous venez ici sur ma boutique, est-ce que j'ai ça d'ouvert ici? Si on vient sur ma boutique ici, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est pas grave, là, je pense que oui. Et là, vous voyez que vous pouvez vous procurer des petits bracelets comme j'ai souvent au poignet, les différentes versions de mes livres, des étiquettes avec toutes les taglines que je dis, un mala, le jeu de cartes intuitif, tout est toujours parfait, des bracelets, une tasse à café, c'est aussi ça la vie, l'ancienne version de tout est toujours parfait, des coussins de méditation, des nitlounes, bref, il y a plein de choses que vous pouvez vous procurer et souvent, ça reste à peu près dans le même coût de frais de poste parce qu'il y a un frais de poste de base et après ça, ça dépend. T'sais, si vous prenez un coussin de méditation, on s'entend que c'est plus lourd. Donc, si vous achetez un livre, deux livres, je pense que c'est le même frais de poste. Trois livres, je pense que c'est 3$ de plus de frais de poste. C'est vraiment le début qui est plus dispendieux et c'est un peu la même affaire pour ma gang en Europe. En Europe, c'est... Tu sais, nous, on fait pas de profit sur les frais de poste du tout. C'est vraiment ce que ça coûte. Donc, je pense que c'est une quarantaine de dollars pour pouvoir l'avoir. Et les gens ont déjà, il y en a plusieurs qui ont déjà reçu en Europe, là. Donc, c'est pas très long. Je pense que c'est 5 jours ou je sais pas combien de temps que ça peut prendre. Donc, je voulais vous dire que si le temps que Amazon récupère des livres, je vais me rendre disponible cette semaine. J'ai quand même assez bien de l'espace dans ma semaine. Donc, si vous êtes intéressé à avoir, c'est aussi ça la vie. Donc, mon nouveau bébé qui est là, moi, je fais affaire, j'ai mon éditeur qui écoute ton corps, puis ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a l'auteur, il y a l'éditeur, il y a le distributeur qui est Prologue, et il y a les libraires. Et Amazon fait partie des libraires et toutes les autres librairies. Moi, j'ai décidé d'en acheter 2000 copies. Pourquoi? Parce que moi, je crois en ce que je fais. Donc, j'ai déjà en main 2000 copies de mon côté. Ça veut dire que j'ai du stock en masse parce que moi, je mise sur moi au travers de tout ça et j'ai ma tournée de conférence qui s'en vient, donc je vais avoir besoin de copies. Donc, moi, j'ai du stock ici et je suis capable de vous envoyer ça, mon équipe plutôt, capable de vous envoyer ça assez rapidement avec les dédicaces qu'on va vous faire. Donc, on peut dire, mettons, dans les 5 jours ouvrables environ. Et vous pouvez, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là ici, si vous voulez vous commander cette nouvelle version de Tout est toujours parfait, dans laquelle j'ai ajouté des exercices et un chapitre sur 7 ans plus tard, mais aussi si vous voulez faire des cadeaux à vos amis, à vos collègues de travail, à votre équipe de travail, à peu importe, celui-là, ça c'est la première version de Tout est toujours parfait. La différence, c'est qu'il n'y a pas de jaune dessus, OK? Il n'y a pas quelques exercices et il n'y a pas le dernier chapitre. Et j'ai un veston en arrière, d'accord? Celui-là, on les liquide présentement à 10$. Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire une vidéo? C'est que ici, j'ai quelqu'un qui vient d'acheter 5 livres. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai quelqu'un qui vient d'acheter 5 livres. Il y en a qui achètent 10 livres. Il achète un livre, c'est aussi ça la vie. 10 livres, tout est toujours parfait. Et là, je fais comme, quelle bonne idée de dire, de les faire circuler et de les donner en cadeau. Donc, moi... on a décidé qu'on les fait à 10$ juste dans le but des libérer pour plus qu'ils soient en compétition avec la nouvelle version de Tout est toujours parfait pour qu'on puisse se ramasser avec C'est aussi ça la vie et Tout est toujours parfait. Alors, si vous voulez avoir une dédicace dans les livres, tout simplement, vous rendez sur le lien que je vais mettre en haut ici et vous mettez votre nom, bien sûr. Si des dédicaces pour d'autres personnes, vous mettez le nom. Et moi, dans les prochains jours, je ne ferai pas ça tout le temps, gang, parce que je peux pas toujours faire ça. Je peux pas faire 600 dédicaces tout le temps. Mais là, ça me fait plaisir, surtout qu'il n'est pas disponible sur Amazon. Et j'ai vraiment envie que ce message-là, ce livre-là, circule. Et j'ai pas envie de l'abandonner dans les premiers jours parce qu'on manque de stock. Vous comprenez? Donc, je vais mettre le lien juste ici en haut. Vous pouvez vous procurer... C'est aussi ça la vie. Vous pouvez procurer Tout est toujours parfait. Vous pouvez vous procurer l'ancienne version de Tout est toujours parfait. Et plein de petites choses sur la boutique en ligne. Des bouteilles, des jeux de cartes, des tasses à café, des élastiques. Alléluia. Hey, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fait ma dédicace, quand j'ai commencé à faire les dédicaces, j'ai fait comme merde, ça nous prendrait des signets. C'est aussi ça la vie. Donc, on a fait faire rapidement des signets. Malheureusement, les premières versions de dédicaces n'ont pas pu les recevoir parce que l'idée est arrivée plus tard. Mais on a reçu nos signets, short and sweet, super, super clean, en fait. C'est aussi ça la vie, tout simplement. Un côté noir, un côté blanc.
Donc, maintenant, on les donne, bien sûr, avec toutes les commandes qu'on va faire sur la boutique en ligne. Voilà, les amis, je voulais vous partager tout ça. Et tout ça, c'est grâce à, je veux dire le nom, parce que pour moi, c'est super important de voir des gens généreux comme ça. Je ne veux pas montrer, mais à Vicky Morissette, en fait, c'est ça, Vicky? Vicky Morissette qui a acheté un « C'est où c'est la vie » plus 5 « Tout est toujours parfait » pour faire des cadeaux. Et c'est une belle façon, 10 $, offrir la conscience en cadeau en 10 $ seulement. D'accord, gang? Et je veux terminer en vous disant, un auteur ne se met pas riche avec des livres. C'est important de comprendre qu'on ne fait pas beaucoup d'argent avec des livres comme ça, mais c'est une carte de visite et c'est surtout pour faire circuler un message. Donc, c'est le temps que je fais là. Je dis pas acheter par chez nous parce que je fais plus d'argent. Honnêtement, c'est pas ça du tout. Après, je vous recommande vers les librairies si c'est plus facile pour vous. Vers Amazon si ça coûte moins cher pour vous. Le but, c'est de faire circuler ce message-là pour que ça puisse éveiller les consciences. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont rentrées dans notre communauté et qui sont rentrées par la porte d'un livre, qui ont vu le livre sur les tablettes en pharmacie, que c'est chez leur psychologue, qui ont vu le livre traîner et qui ont commencé à ouvrir puis ont dit « Oh my God, ce gars-là, il me parle ». Mais c'est aussi la même affaire dans le nouveau « C'est où ça la vie ». Vous allez voir, c'est un livre qui fait vraiment du bien au cœur et à l'âme et qui nous permet de cultiver notre conscience et d'apprendre à percevoir autrement. Alors voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Merci, merci, merci. Merci d'être dans ma vie et au plaisir de vous revoir. C'est ça. Complétez la phrase. Salut ma belle gang.